Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour du Minecraft sur Epic Cube, sur le petit serveur donc à Frigiel entre autres. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va faire du shipwars, c'est marqué derrière, avec le petit mouton, le petit galion derrière. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le serveur, je mettrai l'IP en description. Je pense que quand même tout le monde le connaît. Il y a un système de monnaie. Des boosters qu'on peut avoir ici avec des grades qui dont je vous laisserai un petit peu découvrir par vous-même si vous venez. Vous pouvez acheter des améliorations, donc aujourd'hui on va voir ce mode là, la prochaine fois celui-là et après on fera les autres. Donc on va aller ici, on va prendre le mode, il y a plusieurs cartes, on va faire au hasard et voilà. Voilà. Bon, l'équipe bleue est pleine, on va prendre donc les rouges. Donc j'ai déjà acheté comment quelque chose en boutique, donc j'ai amélioré mon arc. On peut améliorer chaque chose jusqu'à 5 au maximum. Et voilà, on est rouge. Comment ça se fait là? Voilà. Ah, mais en plus c'est nous qui l'avons tué. Y a pas quelqu'un là? J'arrive pas à toucher quelqu'un là, ça me fout. Voilà. Je pense que vous avez compris. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ce mode de jeu, moi personnellement, j'aime bien. Je trouve qu'il est intéressant parce que c'est pas très longtemps que, on va dire, je joue à Minecraft sur PC, je jouais sur Xbox. C'est largement différent et on va dire que ça m'a un petit peu, même si je suis pas très bon ou quoi, mais ça m'a un petit peu appris à jouer, on va dire. Pour tout ce qui est dirigé, tir à l'arc, tout ça, et voilà. Allez, sort. Allez, on va lancer les moutons. Ah, ils ont tous pris presque la colline. On va se tenter de jeter un petit peu. Voilà, là, s'il sort, au moins, il se prend. Ouh, le son est un petit peu fort là. À la fin de la partie, je vais un petit peu le baisser pour vous. 3 contre 1. On a réussi à survivre jusqu'ici. Il faudrait pas qu'on meure. Ça gâchera un petit peu tout. On a réussi à en tuer un. Sortira pas mon petit. Hop, bouton chercheur. Oui, il nous a touché, nous on l'a pas. Chanceux, on a été chanceux. Allez, on va un petit peu bouger. J'espère que notre pote qui est encore avec nous est en train de passer. C'est pour ça que je vous dis, il faut améliorer son équipement parce que. Imaginez là, moi juste l'arc niveau 1, si lui je sais pas combien il a. Mais imaginez si vous l'avez au max, il peut vraiment faire mal et. Donc pour vous c'est plus de l'amusement et pour vos adversaires c'est beaucoup plus compliqué de jouer contre vous. Surtout si vous savez y jouer. Moi je sais pas très bien y jouer. Ouf, pendant un moment j'ai cru qu'il allait tomber. Allez, un contre un. Oh. Voilà.
ton guérisseur. Hop. Oh non. Ouh, mon tour intergalactique. Trop dangereux ce mouton. C'est un duel un petit peu. Ouf, il a tout cassé. Ok, là j'ai plus beaucoup d'espace. Je sais pas combien j'ai d'espace derrière. Ouf, il n'y a même pas de dalle pour me protéger. Oh non, en plus j'ai la nausée. Oh non, oh non. Je suis pas très bien. Je suis pas en position de force du tout parce que lui il a pas mal d'espace autour de lui. Ah, il a tout ce qu'il faut pour me toucher. Non, non. On est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi je le touche pas là? Ah voilà. Non. Non. Il m'a envoyé un mouton comme ça. GG. GG, GG. C'était pas mal, pas mal. Il y a des gens qui sont restés pour voir le duel. Combien des picouins? 4. Bon, ça va. Bon, ça va, ça va refaire une petite. Là. Alors, j'espère que. Ouais. Comme vous avez pu le voir, le mode de jeu est. Ouais, majoritairement bien. Si on en rencontre un, ça peut prendre beaucoup de temps. Vous avez vu là, il a eu un mouton qui m'a attiré vers lui, donc je suis tombé dans le vide. C'est un petit peu, on va dire, dégoûtant, mais c'est pas grave. On va dire, je me suis un peu tout pris avec la nausée, tout ça. Cette carte assez bien. Je crois que c'est, oh non, ah non, en fait, je l'aime pas. Le changement d'avis. T'inquiète pas, on va aller au corps à corps sur cette carte. Hein. Je suis pas du tout bon à l'épée, mais je déteste cette carte. Donc si je peux essayer de changer un petit peu, on va y aller. Hop, lui on l'a touché. Lui, il faut qu'on le touche. Si on le touche, j'y vais. Si on le touche, j'y vais. Allez, allez, c'est parti. Pas où sur les escaliers ou quoi. Hop hop, c'est qui ça, bleu, ça passe. Hop, salut gars. Hop, attendez, on va y aller. Juste là, il y a pas mal de gens là, il faut qu'on le touche. Et c'est pris déjà l'explosion. J'ai oublié de baisser le son pour vous. J'espère que c'est pas trop fort. Au pire, au montage, pour un petit peu baisser. On l'a touché. Oh là 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 là. Hop, on va se mettre en sneaky. Attendez, hop. Musique et son. On va baisser un petit peu tout ça. Hop. Mouton glacé. On va en mettre un ici. Hop. On peut. Ouais, le nuage il me stresse un peu pour savoir comment passer là, parce que non, on peut pas passer de ce côté, on peut que de l'autre côté. Mais le délire c'est que le pont est cassé et là il y a un petit peu des trous de partout. Ok, voilà, là on est bien là. Non, en fait on n'est pas bien, on voit rien, ça me mouton en distance. Ok, alors est-ce que l'on peut passer? Donc là il faut faire un petit peu. Hop 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 hop. Moi je sais pas si on peut passer en fait. On va tenter. Hop. Ah, le pont a été cassé. Ça pose trop de problèmes. Trop. Je voulais bien faire du petit PVP en mode mais là c'est la mort. C'est l'amour.
À la prochaine, je vous dis les gars, c'est bon, on y va. Hop, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Non, en fait, c'était une petite tulipe. Hop, là-haut, il doit y avoir quelqu'un. Ouais. J'ai trop envie d'aller. Un petit peu de coup d'épée, parce que là, on voit là, légèrement personne. Ah! Salut! Allez, reviens à la fenêtre. Personne d'autre? Ok. Salut. Moi aussi je vais me servir de mon arc. Ah, là c'est compliqué, est-ce qu'on a le temps de les voir venir? Tiens, prends le mouton. Ok. Oh non. It's lot. Oh là là, c'est fail. Oh, c'est fail. Hors combat. Allez, c'est pas grave, on a fait une bonne petite partie, on va dire. Ouais, ça passe. Bon, on va voir les buildings. Voilà, cette carte, les gars, elle est pas mal. Vous allez voir, elle est pas mal. Hop, équipe bleue, oui. Je pense que des fenêtres, on peut voir la carte. Non, pas là. On est dans l'avion. Voilà, c'est là. Pardon. Ouais, ici on doit pouvoir l'avoir. Alors. Les rouges sont de ce côté-là. Les bleus de ce côté-là. Bon, qu'est-ce qui paraît logique. Le point le plus haut de la carte, je ne pense pas qu'on peut aller dans les hélicoptères. Mais sur les. Oui, sur les points d'atterrissage des hélicoptères des deux côtés, oui. Car là, on voit pas très bien. Voilà. Ici, il y en a un autre. Et là-bas, il y en a un. Voilà. Et on remercie, bien sûr. Julien 53 et Roger pour la construction de la carte et du mode de jeu. Voilà. Voilà. Donc cette vidéo sera après celle sur Rush qui est sur le serveur UHC Game. Celle-là, elle est sur Epicum, même si je me répète un petit peu, je vous conseille d'aller voir celle sur Rush, car c'était une partie pas trop mauvaise. Et je pense que si vous regardez celle-là, l'autre, elle peut vous plaire. L'IP donc des deux serveurs pour cette vidéo et pour l'autre sera disponible. Et voilà. Hop, on va vite prendre l'arc. Voilà. Ici, nous, on va lancer notre mouton directement. Hop, tremblement de terre en plus, c'est pas trop mauvais. Ok, il monte à l'étage. Allez, touchons-le. Non, je te toucherai avant. Ouf, ça va. Ouf. Oh là, il m'a touché deux fois d'affilée. Petit joueur. Oh là, ok, on se fait back, on se fait back. On se fait le brain. Mon pote, toi, j'ai de mes amis. Non. Oh là là, je touche toujours la mauvaise touche. Ah, j'ai pas de vie, j'ai pas de vie, j'ai pas de vie, j'ai pas de vie. Ouais, j'avais plus de vie. En fait, ma souris, vous voyez la. Comment on va dire, le truc qui va d'en haut pour bouger est extrêmement sensible. Et donc, si je bouge trop la souris, on va dire. Comment dire, voilà, qu'est-ce qui me fait faire ça? Si je le bouge trop, et eh ben. Voilà, c'est pour ça que je suis tombé sur mon arc. Voilà. Ouais, voilà, donc ça c'est les bateaux. Cette carte est vraiment très très bien. Moi c'est. Vous tentez un jumpcraft? Allez, c'est parti. Donc, cette carte est vraiment très très bien. Je remercie la personne qui l'a faite parce que la carte est extrêmement cool. Par où il faut aller? Ok. Hop, hop, hop. Je pense qu'aujourd'hui je vais sortir plusieurs vidéos. Une sur ça et l'autre, je ne sais pas trop. On va voir. Pour que tout le monde soit content. Ouais, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Oh my god. Ouais. Pas mal. Je suis fait un petit mouton. Petit mouton d'une couleur.
Ben, donc là en même temps là j'étais en train de regarder combien de temps de vidéos ça faisait pour pas en faire trop. Non ça on l'a pas, on a que ça. Là aussi un petit jump, je suis pas du tout bon. Oh là ils auraient été pas mal à le faire. Ah ouais, créateur, team leader. Ok. Un petit jump avec un petit smiley. Oh là là, vous voyez quand je vous dis que je suis nul en jump, là vous avez là. Ça vous le prouve là. Allez, petit 3. Oh, cache, mouton glacé. Ok, double mouton glacé avec le pote. Oh là, on a vu le mouton rouge, hein. Mouton explosion. Là. Voilà, il a explosé. Ouais, en fait, je pense pas que je le charge à un max à chaque fois. Je ne le bande pas à max. Ok, là, je sers à rien. Voilà, toi, tu viens pas. Toi, hop. Off. Oh non! Bouton à distorsion, ça me fait bugger. Off. J'ai eu de la chance. Ça m'a téléporté vite. Là, je peux rien faire. Je suis désolé, les gars. Plus du tout de vie. J'ai pas envie de courir parce que la carte est tout petite. Il y a plein d'autres personnes et adversaires ou alliés. Mais on va dire, les alliés sont plus sur l'autre. Comment dire, l'autre plancher. Voilà, ouais, l'autre partie de la carte que celle où j'étais moi. Voilà. Donc en fait j'aime bien le mode de jeu, je suis pas un monstre de chute du tout du tout. Comme un jump quoi. Et voilà, bon j'espère que vous ça vous plaira comme mode de jeu et que vous viendrez sur Epic Cube pour l'essayer. Après vous verrez par vous-même comment vous trouvez le mode. Et on pourra savoir. Enfin vous pourrez plus savoir que moi si vous aimez bien le mode ou pas. Voilà, je me répète pas mal quoi. Petit résumé. Et l'Ender. Ah ouais, ok. C'est original. Ouais, bon là j'ai oublié de sauter même. Voilà. Tu. Allez, on lance le mouton direct. Oh, on l'a bien envoyé le mouton. Heureusement, s'il le voit pas. Ah mince. Normalement, il y a quelqu'un en bas, non? Ça, c'est la carte que j'aime. Ah, c'est celle-là. Allez, on va faire du PVP. Je suis pas bon, mais on s'en fout. Tirer sur les blocs magiques. Mais bien sûr. Bon, écoute, toi, tu vas arrêter sur mes potes. Sur mes amis. Sur mes amis. Allez, c'est pas le dit. Hop. Hop. On va descendre petit par petit. Voilà. Oh, t'es... Ah, c'est un ennemi. Ok, je suis... Alors là, je suis le plus perché de tous les perchés. Désolé. Oh, mais là, je crois que j'étais... Je crois que j'étais... Ouais, en plus, c'était... Oh, oui, c'était un bleu qui me tirait dessus. Je fais vraiment n'importe quoi. Galion dirigeable. Ouais, on va faire galion. Les petits bateaux. Donc après, faut pas juger le mode sur, enfin, sur comment je joue moi, parce que moi je suis pas du tout fort, voilà. Mais le mode peut être cool. Et ouais, il peut vraiment être bien parce que... Ça dépend si vous, ça fait longtemps que vous jouez à Minecraft ou si ça fait pas très longtemps que vous jouez à Minecraft comme moi. Enfin, moi j'y joue mais sur Xbox et c'est totalement différent. Et voilà. De toute façon, je suis le seul là de la partie, ça paraît bizarre.
On va quitter, on va en trouver une autre. Hop, on va relancer un petit. Non, pas dirigeable. Ouais, au pire, c'est pas très grave. Être Bagdad. Ah ouais, cette carte, les gars, je vous le dis, c'est Bagdad d'avance. Là, il va y avoir des laines qui vont faire foufou, et d'un coup, il y a même plus de dirigeable. Que ici et l'autre qu'on voit pas en face qui pourra survivre, mais sinon, on ne sait pas trop. Hop, hop, et voilà. Aussi, un petit truc que je voudrais vous demander, si vous avez vu les anciennes vidéos de la chaîne. Si comment je prononce ma voix, tout ça est mieux, parce que j'ai vu sur les toutes premières vidéos que c'était pas très bien, mais là je pense que c'est pas mal mieux. Ah, il m'a touché. Oh, pas mal. Petit tireur, voilà, ça c'est qu'est-ce que je disais. Les moutons sur cette carte, c'est fou. Magique. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ah, il a mis un mouton guérisseur, il a été tué. Ah, il joue le sneak. Hop, hop. Sors ta tête, mon petit. Ok. Attendez, j'ai une idée. Hop, hop. Hop, ouf, ok, il y a quelqu'un. Oh là là, j'en ai marre. Je me fais toujours back comme ça, là, ça m'énerve. Je veux juste jouer à l'arc, moi, tranquille. Il y a toujours un petit mec qui est là, qui fait... Bon, là, on est sympa, on dit quand même GG. Toujours un petit mec qui arrive et qui fait... Oh, je vais te taper par derrière. Oh, ça m'énerve. Oh là, vous pouvez pas savoir comment. Bon, après, c'est son style de jeu, je comprends, mais... Parce que moi, je veux jouer à l'arc, quoi, c'est ça. Enfin, c'est vraiment de la carte. Donc là, c'est les buildings, ouais. Oh, on est bien tombé. On est en hauteur. Il n'y a que par là qu'ils peuvent venir. Ouais, je peux vous montrer de suite. Je suis pas sûr de la prix. Oui. Alors là, regardez, ils peuvent que monter par là. Et voilà, comme je vous disais, on peut pas vraiment monter dans l'hélicoptère. Oh, pas mal, il... Ah ouais, parce que je saute. Faites-leur des bobos. Je veux qu'ils aient mal. Et que même la pommade ne les répare pas. Et que le pouvoir du sang... Oh là là, j'ai loupé un de ces trucs. C'est la honte. Voilà, descends, mon dieu. C'est pas contre toi là, mais. Ah non, le mouton qui bug là, ça fout, ça j'aime pas. Vous voyez, ah ça c'est. Il devrait faire un truc comme quoi il a pas. Voilà, le mec il a fait un triple kill parce qu'il a jeté un mouton et qu'il fait partir de la map quoi, c'est. Au pire, vous prenez la. Vous êtes dans la boutique. Vous prenez ça, hop. Plus de moutons. Alors là, vous faites un full de ces moutons. Vous avez gagné la partie quoi, vous faites 10 kills d'affilée, voilà, terminé. Attendez, hop, hop. On tombe sur quoi? Celle-là c'est... Oh là 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 là. Ah là là là. On est beaucoup quand même. Ah, je vais tenter. Ouais, non. Ouais. Ok, le mec il s'est fait désintégrer, quoi. On va trop pouvoir le pousser. Nous on est bien en rouge, oui. On va pas faire la même erreur. Ouais.
Genre, il n'y a que moi quoi à toucher. Ouais, lui il est avec nous. Là-bas, il y a un ennemi. Je peux pas sortir. Je pense pas qu'on m'a tapé. Je suis pas sûr, mais je pense pas. Parce que il y avait l'autre derrière. Attendez. Je vais vérifier. Hein, il n'y a plus. Non, 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 on n'était pas là. On était en face. Petite vérification. Donc j'étais là. Ouais, non, on m'a pas tapé. C'est le sol, il a explosé. Et après, je sais pas. Mais je pense pas que du tout qu'on m'ait tapé. Voilà. Alors on va en faire une petite dernière après. Je pense qu'on va arrêter. Vous aurez vu le mode et vous m'aurez vu jouer dessus. Donc on va dire c'est un petit peu mes débuts sur Minecraft sur ma chaîne. On va dire en tout ça. Il y a les séries qui vont commencer à arriver. Comme vous avez pu voir, celle sur Minas Tirith. Il y aura celle sur. Ah, je peux pas trop encore en parler, mais vous allez voir, elle arrivera de sûr avant celle de Minas Tirith, mais je la présenterai plus sur mon compte Twitter pour les premiers qui la verront, donc ce sera là-bas. Donc je vous incite à aller voir régulièrement si je sors quelque chose. Et vous allez vous poser la question, pourquoi elle sortira avant Minas Tirith? Parce que Minas Tirith, je dois faire les, comme je l'ai dit dans ma présentation. Du mode rush, c'est parce que sur Minas Tirith, je dois. Comment expliquer? Faire des villages, mettre les mobs, tout ça. Mettre plein de mods. Et tout. Et donc, ça prend beaucoup plus de temps. Et j'en profite pour vous dire, si vous voulez participer à la série, veuillez me le dire et voilà. On aime les donuts. Ouais, moi j'aime bien les donuts. Bon allez les gars, je vous dis on en fait une dernière. On prend celle-là. La dernière. Voilà. Ah, c'est Steampunk elle s'appelle. Ah. Eh ben moi j'aime pas Steampunk. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, on aime le. Dream, les espoirs japonais quoi. Voilà, cette carte elle est bien. Ah, je vous le dis que ce vide lac, enfin les rêves japonais plutôt, ces vide lacs ils sont pas mal chiants, mais ça reste cool. Être tout seul sur le rêve japonais, personne n'aime rêver des Sangoku ou quoi. Je n'aime pas rêver de Sangoku ou de Vegeta ou quoi que ce soit. Ah non, j'aime pas. Boum. Bon. Donc, puisqu'il n'y a personne, on va se quitter pour cette vidéo avec le yin et le yang derrière moi. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver pour une prochaine vidéo qui sortira dans la même journée. Voilà. Allez, salut Jérém. Salut, t'es. Je l'aime. Donc, voilà, on va se retrouver pour. Une prochaine vidéo bientôt, il y aura celle sur Civilization 5 qui va sortir. Et. Ok, il est tombé. Civilization 5, il y en aura une sur. Un autre mode Minecraft. Et celle-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bien sûr sur une prochaine vidéo bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.